Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Précieux Massouémé, président de l'association des jeunes de la CEMA, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Merci. Le 12 août dernier, la jeunesse était célébrée dans le monde entier. En tant que plateforme des jeunes, quelles sont les actions que vous avez menées en faveur de la jeunesse à ce jour? En fait, le 12 août, comme vous l'avez rappelé, c'était la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Et cette journée a été marquée sur le thème, espace sécurisé pour les jeunes. Et nous, au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, notamment de la CEMAC, nous avons organisé des actions de terrain. Nous avons voulu marquer cette journée par des actions de terrain, notamment l'assainissement. Donc nous avons essayé de nous organiser dans les pays de la sous-région, notamment au Tchad, où les jeunes ont assaini la 5e commune de la ville de N'Djamena, et à Brazzaville, par exemple, où les jeunes ont assaini un campus de l'université Marien Ngouabi. Et les jeunes ont bien accueilli cette action qui s'est passée par eux-mêmes, qu'ils ont voulu rendre propre l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Donc voilà un peu ce genre d'action qu'on a organisé ce 12 août. En parlant de vos actions, le 28 juillet, l'AGEC a tenu une réunion à N'Djamena, au Tchad, réunion qui était portée sur l'implication des jeunes dans l'intégration, le défi principal à relever dans la zone CEMAC. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il existe un véritable lobby de la jeunesse? Mais bien évidemment, vous avez vu à N'Djamena le 28 juillet, près de 1500 jeunes ont répondu présents à l'activité de N'Djamena. C'est pour dire que les jeunes eux-mêmes sont conscients d'abord de l'action qu'ils doivent mener, de l'implication qu'ils doivent apporter pour la sous-région. Parce que sans l'implication des jeunes au niveau de la CEMAC, on ne pourra pas parler de développement. Il faut que les jeunes s'impliquent eux-mêmes d'abord, qu'ils soient des véritables acteurs pour que le développement de la CEMAC aille de l'avant. Et donc nous, au niveau de la sous-région, donc, nous avons mis en place cette plateforme pour que les jeunes fédèrent leurs énergies pour qu'ensemble nous regardons vers un même but. Et c'est vrai qu'on parle souvent des jeunes comme indispensables au développement, notamment les politiques, mais enfin, non seulement sur l'échelle sous-régionale, mais également à l'échelle continentale. Mais quel rôle jouent aujourd'hui les jeunes dans la vie politique de la CEMAC? Bon, mais les jeunes, beaucoup de jeunes sont dans l'arène politique, hein. Vous avez des jeunes députés, vous avez des jeunes ministres dans la plupart des pays, vous avez des jeunes conseillers, et les jeunes apportent leur contribution en tant qu'acteur principal dans les pays de la sous-région. Donc aujourd'hui, on peut dire que les jeunes font évoluer beaucoup de choses. Et cela se démontre par l'implication des jeunes qu'ils veulent eux-mêmes faire avancer les choses. Donc je crois que l'implication politique des jeunes au niveau de la sous-région est à mettre du bon côté des choses. Et justement, comment la renforcer? Il faut que les jeunes s'organisent, il faut que les jeunes aient des plateformes d'échange, de dialogue, de partage, d'expérience surtout. Parce que les mêmes problèmes que nous avons en Guinée équatoriale, c'est les mêmes problèmes que les jeunes ont au Cameroun, au Gabon, en RCA, au Congo. Donc il faut juste que les jeunes aient des plateformes d'échange, de dialogue, de partage pour que cette application soit renforcée et puis que les jeunes soient des véritables acteurs au niveau de la sous-région. L'un des autres enjeux, des grands autres enjeux de la CEMAC, c'est l'intégration, le développement économique. Par rapport à d'autres communautés, la CEMAC accuse, selon certains observateurs du moins, un retard. Dans quelle mesure l'autonomisation des jeunes peut être, elle, un levier de croissance? Mais bien évidemment, vous avez suivi, si vous avez bonne mémoire, en 2013, les chefs d'État de la sous-région ont mis en place le Trend My Generation, qui était un fonds important, un projet fédérateur au niveau de la sous-région pour permettre aux jeunes d'aller vers l'autonomisation. Parce que vous savez, pour que la sous-région se développe, il faut parler d'autonomisation des jeunes, il faut parler de croissance, de richesse. Il faut que les jeunes eux-mêmes donc, soient des véritables acteurs. Et ce fonds avait des composantes comme la formation et l'entrepreneuriat. Il faut donc mettre l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes pour que ces jeunes créent de l'emploi qui permettent de créer de la richesse et de la croissance pour aller vers le développement. Donc les chefs d'État doivent vraiment accompagner davantage les jeunes, les encourager à aller de l'avant, à mettre en place des mécanismes qui favorisent le consommation des jeunes pour que ces derniers soient les véritables acteurs et non les spectateurs de l'intégration régionale. – Et à ce propos, le fonds Train My Generation avait été créé en 2013. 5 ans plus tard, qu'en est-il ? – Bon, il faut dire que le bilan est assez mitigé parce que ce fonds a pour tendance à être dans tous les pays de la sous-région. Mais aujourd'hui, on remarque que depuis que le fonds a été mis en place en 2013, elle est plus présent, le fonds est plus présent plutôt au Gabon qu'à dans le pays de la CEMAC. Au Gabon, vous avez suivi qu'il y a plus de 5000 jeunes qui ont été formés, mais le fonds tarde à prendre sa vitesse de croisière dans tous les pays de la CEMAC. Voilà pourquoi, en N'Djamena, nous avons lancé un appel vers le président Déby, qui est le président de la communauté en ce moment, de remettre la question du fonds à l'ordre du jour du président des chefs d'État, pour que les chefs d'État puissent prendre encore à bras le corps cette question de jeunesse, pour que ce fonds puisse véritablement voir le jour, pour permettre aux jeunes d'être des véritables acteurs
acteurs d'intégration régionale. Et toujours à propos de l'économie, on vit depuis un certain nombre d'années un retour du débat sur le franc CFA. Des manifestations ont été menées pour demander son retrait, non seulement sur le continent, mais également par la diaspora en Europe. Des manifestations souvent initiées par la jeunesse. Mmh. Pour vous, est-ce que la devise constitue-t-elle un frein au développement du continent ? Ah ben, bien évidemment, l'économie, l'indépendance, elle est pas juste politique, elle est aussi économique. Il faut bien que, comment voulez-vous nous expliquer que la monnaie que nous utilisons soit fabriquée en France, par exemple ? Voilà, toute la question. Donc je pense que les chefs d'État ou les dirigeants de la communauté, les économistes doivent réfléchir à comment est-ce que cette monnaie doit revenir en Afrique et se fabriquer sur place. L'actualité que les chefs d'État ont décidé de mettre en place le fonds africain, le fonds africain pour permettre d'aller vers un peu, d'éviter cette dépendance économique. Donc je pense que les chefs d'État eux-mêmes savent ce qu'ils font, ils doivent prendre les bonnes décisions pour l'intérêt du peuple et des jeunes. Parce qu'avant tout, quand on met en place des programmes, quand on met en place des projets, c'est d'avant tout pour l'intérêt des jeunes. Parce que les premiers bénéficiaires sont les jeunes. Donc je crois que libre au chef d'État de prendre les bonnes décisions et puis nous ne ferons qu'accompagner. – Précieux Massoumé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président en exercice de l'AGEC, l'Association des jeunes de la communauté de la CEMAC. Et également, je vous rappelle également que le prochain rendez-vous de l'AGEC se tiendra à Bangui, en Centrafrique, le 1er septembre prochain. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.